Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Avec vous, Madame Lange, professeure de la langue française. Allons-y. On va faire aujourd'hui des exercices variés. Choisis et conjugue les verbes. On va choisir le verbe et puis on va le conjuguer. Pour choisir le verbe, on doit bien savoir le sens de la phrase et le sens de chaque verbe. Numéro 1, elle au cinéma. Elle au cinéma. Habiter, aller, manger. Habite, s'élève, aller, go, mange, eat. Qu'est-ce qu'elle fait au cinéma? Elle, aller au cinéma. Allez, conjuguer avec moi verbe. Aller, elle va au cinéma. Elle va au cinéma. Nous, de la musique. Nous arriver, nous écouter, nous partir. Ça sera nous écouter. We are listening to the music. Écouter avec nous, ça sera nous écoutons. Les élèves, les devoirs. Faire, donner, vivre. C'est faire. Alors, ben, faire avec les élèves. Les élèves font les devoirs. Tu, dans une grande maison. Tu observes, observe ses looks. Habiter ou bien faire. Alors, tu habites dans une grande maison. Trouve la question. Ici, j'ai les réponses et je dois trouver la question. Pour trouver la question, je dois savoir le sens de la phrase et qu'est-ce qu'il demande. Il demande un lieu, un nom, un état, un choix. Puis, je choisis le mot interrogatif convenable. Je suis professeur. Je suis professeur. Ici, il demande la métier et le métier. Et on a dit, pour demander le métier, j'utilise « qu'est-ce que ». Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez mon oncle. Je vais chez mon oncle. Alors ici, c'est un lieu, c'est une place. Où vas-tu? Where are you going? Où vas-tu? Je vais chez mon oncle. I'm going to my uncle. Nous sommes des élèves. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des élèves. Ici, je demande aussi la profession. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma tante. C'est ma tante. Alors, c'est... Si je trouve c'est bien. Qui est-ce ou bien qu'est-ce que c'est? Le mot suivant est pour une personne, ma tante. Alors, la réponse est qui est-ce? Il y a d'autres exercices dans le booklet. Essayez de le faire tout seul. Merci et au revoir.